Alors, c'est une raquette mouche pliable. Voilà, il y a le bras en dessous. On va déplier comme ça. Voilà, avec les boutons et le port de charge. Donc, port de charge ici, le bouton pour l'allumer et le bouton poussoir pour l'activer. Donc, là, système actif, la système actif avec la lampe et un nouvel appui, l'éteint. Sachant qu'on peut la laisser en mode allumé en permanence. Dès qu'un insecte se présente, il se prend dedans. Et on appuie ce bouton pour l'éteindre. À l'arrière, il y a un support pour pouvoir mettre une vis et l'attacher sur un mur. Et voilà ce que ça donne, mis sur un mur. Ah, on va pas se mentir, l'éclairage est surtout au niveau de la base. Plus loin, on voit pas trop avec la caméra, mais allez, ça capte bien jusqu'ici, et après c'est plus diffus. Et on voit bien, de toute façon, la haute tension est active, parce que le petit voyant rouge est allumé. Et l'avantage, c'est qu'on peut le poser directement sur un meuble ou une table, comme ça. Donc là, volontairement, je n'ai pas allumé trop de lumière pour qu'on puisse voir. Donc, j'appuie petit bouton, une fois et deux fois. Voilà. Et là, c'est actif. Ça reste plusieurs heures comme ça, actif, et ça attire les insectes qui viennent se prendre dedans. Au niveau de la charge, j'ai été étonné, c'est assez rapide. Je crois que quand je l'ai mis en une demi-heure, je crois que le voyant est devenu vert sur le côté. Donc franchement, j'ai été assez étonné. La fabrication semble d'être de bonne qualité. Il y a une protection pour éviter de mettre les mains et de se prendre une décharge, justement. La grille qui est devant, on ne touche pas la partie haute tension, c'est ça l'avantage. Hein, les gros grains. Il faudrait vraiment insister avec les petits doigts et encore. Donc ça c'est bien conçu. Donc pour le ranger, le bras qui se replie. Voilà une petite idée. Donc 4000 volts de tension. Alors j'ai eu des mouches il y a quelques jours, j'ai pu l'essayer, ça a fonctionné super bien. Ce que je peux éventuellement reprocher, on va dire comme c'est une batterie qui n'est pas movible, si on oublie de la recharger beaucoup trop longtemps, à la fin elle ne pourra plus servir. Donc c'est ça. Là, les gars, j'aurais préféré que ça soit des piles rechargeables. Donc bien penser à le recharger régulièrement. Dernière chose à dire, le câble du chargeur est fourni. Après, ça aurait pu être de l'USB-C, c'est du micro USB, voilà. Bon, sinon le produit est pas mal.